Coucou tout le monde, voilà, j'ai été contactée donc par la société Craspire qui m'a demandé si ça m'intéressait d'avoir un partenariat avec eux. Donc évidemment, j'ai dit oui. Ici, je vais vous présenter les articles que j'ai reçus de chez eux. Vous retrouverez en barre d'infos tous les descriptions donc des articles que j'ai eus. Et ensuite, je dois faire 3 vidéos en utilisant bien sûr les articles. La société Craspire est surtout axée, je vais dire, sur les cachets de cire. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je n'ai pas pris de cachet de cire. J'ai pris d'autres produits. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, ça arrive très bien emballé comme ça dans une enveloppe en bulle comme ça. Chaque article est mis séparément comme ça dans des papiers bulles et tout ça. Tout est super bien emballé. Vous voyez, avec les numéros et tout. Tout est bien mis. Donc pour commencer, j'ai pris donc du washi tape. Ici, des larges rouleaux de washi tape. Je vais vous les montrer. Donc comme je vous ai dit, vous allez retrouver donc en barre d'infos toutes les informations pour avoir les washi. Bon, tâchez de l'ouvrir. Oui. Donc voilà, je vais vous les présenter. On va les ouvrir un peu. Donc j'ai pris dans l'esprit vintage. Regardez comme ils sont gros. Donc plus des publicités, ça pour faire sur des junk, ça va. Oui, en plus c'est en français, ce qui est bien. Plus de mots dedans, ils sont très très bien. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-ci ici, qui est très vintage aussi, si je sais l'avoir. Ils sont bien collés. Hein. Oh, regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Ils sont trop trop beaux avec des partitions de musique, tout ça. Donc ça, je vous mettrai le lien donc dans la barre d'infos. Hein. Et le dernier, qui est ici. On va faire des beaux trucs avec tout ça. Regardez-moi ça, comme ils sont jolis. Avec des fleurs et tout. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Donc ça, c'était pour les washi. Ensuite, j'ai pris aussi chez eux, donc ici, des dies pour faire des napperons. Donc, c'est un ensemble de 4 dies. Ils sont comme ceci, comme ça. Il y a 4 dies. Alors, bien sûr, je me suis permise de les découper pour vous montrer le résultat. On va en découper un d'ailleurs ensemble après. Donc, je les ai fait dans du papier vintage. Comme ça, regardez la finesse. Ils vont super bien découper, franchement. Et ils se démoulent tout seuls, je vais dire. Donc voilà, ça, ce sont les napperons qui vont avec les dies. Nous allons découper le dice, comme je vous avais dit. Je vais vous montrer que les découpes, elles se font super bien. Donc, je suis dans un cardstock, là, que j'ai teinté au café. Je suis quand même passée, donc j'ai fait 2 allers-retours parce que quand même ils sont fort détaillés. Donc voilà, regardez, hop, on fait ça. Il n'y a rien qui tient dessus. Franchement, je vous dis, ils sont top. Regardez, j'ai même pas nettoyé le dice. Je vais le tirer ici. Donc voilà la découpe du dice en question. Et ensuite, j'ai pris ici donc un combo. Donc ça, c'est un tampon clear ici. Je vais le mettre là-dessus pour que vous voyez bien. Avec le dice pour faire une jolie carte. Ça, on la fera ensemble aussi.
Voilà, et on fera la colorisation. Donc ça, vous aurez également donc le lien pour le retrouver sur la boutique. Je ne sais pas si je vous ai parlé, mais si vous achetez, vous tapez Chantal 5 et vous recevez 5 euros par 40 euros d'achat avec mon partenariat. Je le mettrai aussi, donc c'est sur Chantal 5. Et j'ai pris aussi ici des autocollants pour faire donc des jumps. Franchement, ils sont super beaux. Regardez les champignons. Donc on a celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Sont vraiment trop beaux. Alors ça, on va s'en servir pour faire nos propres papiers à nous. J'ai déjà commencé, j'en ai déjà pris un ou deux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. On se retrouvera pour un tutoriel donc pour faire ceci. Ça c'est fait donc avec les autocollants. Vous allez me dire oui mais ça brille. Mais après on rescanne le papier et voilà, ça fait vraiment comme si c'était une page de livre, quoi. Donc, voilà. Donc, on va se retrouver pour faire ça. J'ai pris aussi donc des feuilles qui viennent de chez eux. Je vais vous les montrer également. Donc, il y en a beaucoup aussi. Donc voilà, il y a déjà une ici, je vais mettre à l'endroit, des petites baies. Donc voilà tout ce que l'on a avec le partenariat. Je pense qu'on va faire des trucs, mais vraiment des compositions vraiment magnifiques, des superbes projets. Voilà, je vous embrasse bien bien fort, je vous fais de très très gros bisous à tout le monde et à bientôt dans une nouvelle vidéo pour le partenariat. Bisous bisous.